est de retour sur MCE TV avec deux nouveaux invités, sauf Emilia qui n'a pas voulu nous lâcher. Elle est encore avec nous et on ne voulait pas la lâcher non plus. Alors donc on a le Jeff, langue de VIP. C'est moi. Ça va Jeff? Mehdi, le beau Mehdi de La Belle et ses Princes. Merci, c'est là. Merci, c'est gentil. Et nous avons Laura. La Belle. Tu as fait La Belle et ses Princes. Les Princes de l'amour. Pardon. J'avais trop beau. Donc on va commencer parce que là, ça y est, on est vraiment à quelques minutes de la gagnante qui sera Laïla, bien sûr. Il faut qu'on commence tout de suite parce que sinon, le lifting de Nathalie va péter. Oh, c'est pas gentil. Donc attends, je vais mettre un peu de son parce que comme ça, on va bien. Laïla. Non mais déjà il faut éliminer le premier, le deuxième et après. Je pense que le premier éliminé va être sûrement Nathalie. La robe de Laïla, elle est ouf. Mais elle est ouf à chaque fois, Laïla, elle est super jolie. Elle a une très belle robe. Et je crois même d'ailleurs qu'elle a prêté sa robe à Jessica parce qu'elle avait rien à se mettre. Si, il y avait des robes du marché. Non, il y avait des shorts. Elle est toujours en short, la meuf, elle a pas compris la grosse. Parce que là, on est avec Laura. Il est célibataire en plus, le comédien. Ah, ça y est. Nathalie, la cougar. La cougar. Nathalie. Bye bye, Nathalie. C'est ma deuxième préférée. Ah mais c'est pas pour elle. C'est devenu une batata, Jessica. Ah, mais Jessica, elle pourrait faire des beaux parfums. Laïla. C'est bon, on sait que c'est Laïla. Attends. On va la voir après ou quoi? Je crois qu'ils vont laisser qui, Jessica et Laïla? Non, c'est sûr, c'était Jessica et Laïla. Dis-moi un peu ce qui se passe sur les réseaux, parce qu'on aimerait bien savoir, les réseaux, c'est toute notre vie, là, on peut savoir. Laïla à fond, hein. Laïla, oui, c'est bien obligé. Sûr. Bon, bah, c'est Laïla, Jessica. Il n'y a personne d'autre qui nous intéresse. La finale que tout le monde voulait savoir. Vous êtes pour qui, moi? Jessica, même avec une belle robe, elle a la racaille. En même temps, elle a pris énormément de poids, quand même, non? Elle a la belle robe. Attends, elle a un souci, les gars, j'ai pas qu'elle le bouffe. Bah, je crois que c'est de la bouffe, peut-être. On va manger. Emilia, qu'est-ce que tu Ça, elle a tout Jessica donné, la Jessica. Bah, elle est stressée, hein, ça se voit. Elle est stressée, hein. Ouais. C'est ta copine, d'ailleurs. Mais dis. Tu veux pas aller faire une petite dédicace? Alors, Laïla, tu es derrière Laïla. Donc, Jessica, je m'en fous. C'est une vraie femme, tu vois, Laïla, c'est. Elle a la cote, notre Laïla. Elle a la cote. Elle a la classe, surtout. Jeff, tu as fait Laïla. Forcément. Il n'y a personne d'autre. S'il dit pas Laïla. Mais voilà. Laïla, 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 tu crois qu'elle va partager avec nous? Bah oui, franchement, elle a soutenu depuis le début. Bah ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pour toute la misère qu'ils lui ont dit. On se calme, on se calme. Vous êtes tous contents? Tout le monde était pour Laïla? Bon, c'était écrit, hein. C'était facile, c'était facile. Ah non, j'étais pour Jessica, mais bon. Mais franchement, j'aurais aimé un garçon cette année. Il y a beaucoup de filles qui ont gagné. Et bah franchement, il n'y a aucune surprise. Donc pour là, moi. Là, la de elle a gagné façon. Combien 100 000 euros, plus ça rien. 150 000, non? Non, c'est 100 000 maintenant, ils ont baissé. Ah ouais, plus d'argent. Tu penses quoi alors qu'elle a gagné, Laïla? Bah, je suis contente pour elle. Elle a souffert pendant 2 mois. Ouais. Ah non, je suis contente. Mehdi, il est super content hein, parce qu'il sait que comme il va être avec. Moi, je suis pour la plus belle, donc si elle veut l'avoir après. C'est bon, lui, c'est la gagnante de La Belle et ses Princes. T'as gagné la mort du séducteur. Au revoir, Emric. Laura, pareil, tu étais pour Emilia. J'étais pour Laïla. Oui, bah, tu vois, mais je suis pour Emilia. Emilia, s'il te plaît, faut que tu gagnes. Et Jeff, bien évidemment, il est super. Super heureux, Rémi, voilà, alors il y a des questions pour les invités. Donc à Mehdi, on demande quel est encore tes contacts avec Nelly. Ah forcément. Bah Nelly, je n'ai pas de contact avec elle, je sais pas ce qu'elle devient et en fait, enfin je m'en fous. Ah, Henry, elle vit sa vie, je vis ma vie. Henry qui fait un bisou à Laïla, bon je sais, après. Il a bien raison. Hein. Il a bien raison, il a senti les sangs. Il a vu le chèque. Il va avoir la moitié sans patate. Bon, ce soir, Nelly, tu nous disais que non, mais c'est un beau couple, c'est un beau couple. Mehdi, tu es sorti avec Nelly? Je suis sorti à peu près 2 semaines par téléphone. Ah, par téléphone, bah, c'est loin, j'étais loin d'elle, j'étais en Australie, moi. Elle a galéré pendant 2 mois. Et après, elle a fait sa vie, ouais, j'ai fait ma vie. Bien, ouais. Voilà. Et vous n'avez jamais revu sur Paris? Non, je ne l'ai pas revu. Je suis le seul qui ne l'a jamais revu. Elle avait déjà fait. Mais c'est ça, confirmer ce que je disais quand la prod mettait en avant beaucoup Laïla. Mais elle avait déjà fait une télé-réalité, Laïla. En Italie, non, elle était en Italie. Non, elle était payée à mais c'est ce qu'elle disait. Elle était en Italie. Donc, c'est, alors, elle habite en Italie. Donc, si la prod mettait en avant Laïla, ça voudrait dire que c'est truqué alors. Bah, ça se voyait quoi, qu'elle mettait un peu en avant Laïla. Voilà, de départ, c'est pas comme le présidentiel en France où tu mesures le temps de parole. Là, on a quand même bouffé pas mal de Laïla ces derniers temps. Faut pas se mentir. D'accord. Il y a un moment, j'adore Laïla, mais on l'a plus vue que tous les autres candidats. Parfois, après, c'est normal. Tranchant, hein. Parfois, il y en a certaines qu'on voit trop, et puis finalement, ça nous.
Ah, la casquette l'année dernière. Tu sais que la Daisy, elle a dit, la gagnante de Secret Story l'année dernière, elle a dit que le chiffre 2 portait bonheur. C'est vrai. Pourquoi celle qui a fait qu'elle est. D'accord. Elle a gagné Anaïs l'année dernière. Ah oui, Anaïs, j'adore. Alors là, Anaïs, je suis. Mais dommage pour Jessica, ça en est tapé 3, donc ça lui a pas porté chance. Pour rien. Il fallait qu'elle s'arrête à 2. Ouais, parce que vous en parlez quand même beaucoup qu'elle s'est tapé 3 mecs. Moi, j'ai pas vu ça comme ça, mais. Je comprends qu'elle aimait bien les garçons là-dedans, là. Ouais, tout ça pour rien. Elle est affectueuse, hein, Jeff. Elle est affectueuse, pour le reconnaître. Rémi, ça se passe comment là? C'est la folie. Il y a Dylan PCHRD qui dit qu'apparemment le chèque de Layla aurait été prêt depuis la veille. Ah, donc ça veut bien dire que ça. Je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, dans la maison, ils ont fait rentrer 4 chèques avec le nom des candidats et la date du jour. Et on a une question pour Laura. En fait, on lui demande en fait pour les princes de l'amour 2. Il paraîtrait. Enfin, qui est ton prétendant en fait? On te demande. Bah, qui est ton prétendant? Je peux pas dire qui est mon prétendant. Tu peux pas l'imiter? Non, je peux pas l'imiter non plus. Tu veux que je l'imite? Moi, je veux que tu l'imites. Des lunettes ou pas? Face caméra. Des lunettes ou pas? Ah, vous saurez. Je peux pas. Mais remarque, en plus, si on regarde le teaser, Raphaël, il était là, mon poteau. Raphaël, il était, mais Raph, c'est que ça fait 3 ans que c'est mon pote. Ah, Raph, il est trop bon pour elle, sur son pote. Ah, allez, Raph, c'est rien si c'est un vrai. Regarde ça. Je te souhaite. Mais je ne peux pas. Mais dis, espèce de risque. Si Layla, elle sort et t'as la cote. Non, Layla, elle est un peu. Enfin, comment dire. Non, mais est-ce que tu pars respect, tu pars pour Emery, tu ferais rien ou t'en as rien à faire, carrément, tu pars avec Layla en Tunisie? Non, moi, par contre, je suis très respectueux. J'aime beaucoup les femmes, mais les couples, je joue pas à ça. Enfin, un couple, il reste en couple. Siam, tu veux... Siam est une très jolie femme, célibataire. Donc, moyen de moyenner. Je n'ai besoin de personne, surtout pas de toi. Mes cousines. Non, c'est vrai que moi, j'aimerais bien une cousine à Laura, ce serait mon rêve. Mais c'est trop compliqué, ils n'aiment pas trop les gars comme moi. C'est vrai. Je suis trop haut, tu vois. Non, il y a trop de paillettes sur le t-shirt, surtout. Mais non, les femmes célibataires, pas de soucis, mais en couple, ça m'intéresse pas. Mais Layla, c'est trop, tu vois, c'est trop classe. Jessica, c'est... Et tu referais, toi, une autre télé-réalité? Je sais pas. Tu sais pas? Franchement, c'est... Si on te proposait Les Anges, tu Les Anges, si, c'est différent. C'est plus intéressant. Ah, Les Anges, ça a la cote, Les Anges! J'adore! Il y a un pseudo-projet. Ouais. Il y a une destination. On écoute un peu Mehdi, ça vous intéresse pas, les filles? Non, en fait, j'étais en train de lui demander si éventuellement il ferait une autre télé-réalité. Et il m'a dit, je lui ai dit Les Anges, je me disais, ouais, pourquoi pas. Le projet, la destination. Allô? Bah ouais, mais j'ai deux choses dans la vie. T'as quoi comme projet en fait? Tu fais quoi? Moi je travaille, j'ai des vrais. Tu vois ce que je veux mais dire? Mais qu'est-ce que tu fais, Mehdi? Moi j'ai ma formation pour être steward et agent d'escale. Donc en fait, je recherche une compagnie aérienne là. Mais Les Anges. Les Anges, bah si, mannequin, tout ça. Mannequin, ouais, c'est vrai que t'es très beau, tu pourrais très gentil. Écoute ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il y a pas comme mytho sur Terre? Ah ouais? Qu'est-ce que tu. Laura! Non, mais il est beau! Ça... Regarde, moi je suis avec Mike, j'ai pas de problème à dire, il est très beau. Personnellement? Non, mais il sait, c'est un beau garçon, c'est pas mal. Ah, je sais. Ça, c'est pas mal. Mais donc, revenons à nos moutons. C'est quoi ta cam? Revenons à nos moutons de l'île des vérités. Tu ferais. Bon, et les deux petites gamines, je vais vous mettre au coin. Hein. Je vais vous mettre au coin, là. Donc, je disais, si jamais. Jeff, tu vas aller au coin aussi. Si jamais tu faisais Les Anges, ton projet, ça serait quoi? Parce que Steward dans Les Anges. Non, mannequinat, mannequinat. Je vais m'énerver. Mannequinat ou alors maintenant acteur? Acteur. Ouais, je te verrai bien. Je te verrai bien. Donc, et Laura, toi? Mais tu lui as pas demandé ce qu'il faisait cet été. Ce qu'il a fait cet été. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait cet été? Je suis partie à Los Angeles. Et t'as fait quoi? Bah, dis. Eh, je peux pas trop en parler. Vous savez ce qu'il a fait? Ah, je sais. En voyage en Australie. Non. Ça s'est fini, ça. Il est pas en Australie. Il a fait une télé-réalité à Los Angeles? Non, je suis partie à Los Angeles, on va dire. C'est vrai? Escort Boy. Mais ça s'appelle. Oh. Non, ça s'appelle comment? C'est sur la chaîne où t'as travaillé. Donc, à toi. La meilleure, Energy 12. Friendship? Non, mais c'est une télé-réalité, en fait. Pas une télé, une série. Oh, t'as fait Hollywood Girl? Ouais. On t'a pas aidé. Moi, personnellement, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit. Et tu fais quoi là-dedans? Enfin, tu fais quoi comme rôle? C'est quoi ton rôle? Ça, je peux pas trop en parler. Mais j'ai, comme d'habitude, un peu un rôle, un peu un rôle pour moi. Quoi. Enfin, ah bah, on est ravis de le savoir. Franchement, ça fait plaisir. Bah, on va te revoir sur nos écrans. Et bah ouais, on nous reverra en même temps. Je pense qu'en même temps que Laura, je pense. La diffusion. Oui, mais Energy 12, ça marche toujours mieux. On est d'accord. C'est les meilleurs aussi. On verra. J'ai écouté. J'ai fait les deux, moi. J'ai fait les deux. On va pas parler des audiences des ch'tis et des vérités parce que là. On va se mal avec Energy 12, hein. Oui, mais en même temps, t'inquiète pas, que les ch'tis, c'est tout pété. Non, c'est double. C'est la comparaison. Moi, j'ai fait les deux chaînes, donc ça va, tu vois. Ça va, t'es tranquille. Ouais, tranquille. Oui, bon. C'est posé. Rémi? Sur le Twitter, il y a pas mal de gens qui nous rejoignent puisque Secret Story est fini. Et après. Coucou, venez les gars. On est les bouches.
Hashtag LMCE. On parle encore de Leïla, hein, sur, les gens sont vraiment contents on est tous de sa victoire. Voilà. On est très très contents. Et en plus, sur plateau, j'ai beaucoup de pro-Layla. Donc, je suis très contente aussi parce que j'en ai vu défiler qui ne l'aimaient pas, la Layla. Et moi, j'étais choquée aujourd'hui de voir qu'il y a une fille qui a voté 2100 fois pour Layla. Donc, je ne voudrais pas avoir sa facture de téléphone. Par contre, elle a 4000 euros. Quoi. Et soyons un petit peu coquines, les filles. Quel garçon. Non, mais alors lui, direct. Ouais, vas-y, raconte. Quel garçon vous aimiez dans Secret Story? Qui vous aimez cette année? Si, voilà, qui vous verrez plus. Non, cette année. Parlons de la 8 déjà, parce que si on reparle. Je préfère pas me prononcer, moi, je veux pas de soucis. Oui, mais regarde, moi, je suis bien dit que je fais rien. Stéphane? Stéphane, oui, d'accord, Stéphane. Et Stéphane, Laura? Moi, Aymeric. Aymeric. Ouais. T'aimes bien, t'as un peu la barbe. Ouais, j'aime bien les Portugais, j'assume. Il est bien portugais, Aymeric? Ouais, d'accord. T'aimes bien les Portugais, toi? J'assume, j'aime bien les Portugais. Aymeric est un bon garçon. Ne fais pas comme Jérém. Hein. Celui qui a 100 000 balles, ça m'intéresse. Là, il a... Ah, voilà. Ah, donc Aymeric, parce qu'ils sont ensemble, c'est pareil. Le chèque, moi, ça me va. D'ailleurs, on fait un grand bonjour à tout le monde, enfin un grand bonsoir à tous les blogueurs, hein, que ce soit Ananas, Pivip, Raima, Jérém Star, tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Franchement, on a été super, on est content quand même de les avoir parce qu'on en sait des choses grâce à ces filles-là. Donc Rémi, une chose à rajouter sur les réseaux? Après, si vous voulez retrouver des photos, c'est Instagram sur mcetv.fr pour retrouver toutes les photos des coulisses de l'émission. Et il y a de la photo dossier quand même. Et il y a de la photo dossier. Est-ce que tu demandes quelque chose? Je suis Claire Chazal, tu n'as pas le droit. Donc... J'avais vraiment toujours rêvé, mais vraiment. D'accord, vas-y. Non, il n'y a pas, de quoi tu parles? Est-ce que tu peux me mettre le capteur? Oh, j'adore! C'est quoi ça? Mais vraiment. Tu n'étais pas née. C'est un bébé, c'est un bébé. Tu n'étais pas née. C'est toute mon enfance. En 1932, je mettais le capteur. Non, en fait, non, bon, je te le mettrai, t'inquiète pas. Mais je veux. Non, mais. Maëva, du capteur! Je veux juste une conclusion. Franchement, vraiment, c'est important parce qu'il nous reste quelques minutes. On a vraiment plus beaucoup de temps. Une conclusion sur Secret Story 8, sur la gagnante. Laura, on commence par toi. C'est parti. Ça, j'ai rien à dire. T'as rien à dire? Je sais pas, non, je suis contente que Layla, elle ait gagné. Après, je pense vraiment, ça aurait été bien aussi un garçon pour une fois, parce que ça fait longtemps quand même que c'est des filles. Donc, Vivien, ça aurait été pas mal, sachant qu'il a fait un bon jeu. Mais je suis contente quand même que ce soit Layla. Je préfère Layla que Jessica de loin. Toi, Jessica, ça te dérange pas, ce soit ta copine, elle a pas gagné. Ouais, non. Non. Moi, je suis contente pour celle qui a gagné. Voilà. Tranquille, pacifiste, il n'y a rien de mieux. Mehdi, pareil, toi, bon, Layla, t'attends enfin terminé, chaud. Enfin terminé. Non, c'est la plus belle qui a gagné et je pense qu'on va les revoir. Bientôt. On va en revoir quelques-uns, je pense, sur d'autres chaînes concurrentes. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi qu'on va bientôt les revoir. Donc, on va donner le mot de la fin à Jeff. Voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très bonne saison qui a relancé vraiment le concept. Pour le coup, je suis quasiment sûr qu'il y aura une saison 9 alors qu'à la fin de la saison dernière, c'était pas ça qui était donné. Et finalement, je tiens à féliciter quand même Jérôme et toutes ses équipes parce que on sent qu'ils ont mis une nouvelle équipe derrière et qu'ils ont vraiment donné un coup de jeune au programme. Ouais. Donc ça, franchement, je trouve qu'on peut féliciter à... Non, franchement, il faut défendre le truc et je trouve qu'ils ont vraiment donné du sang neuf. Ils ont remis un dynamisme dans le programme. Et il faut saluer ça parce que c'est rare qu'ils prennent le risque au bout de 7 saisons de faire quelque chose de radicalement différent. Bien sûr, je vous remercie en tout cas. Merci à tous de m'avoir donné vos avis et d'être venus. Ça m'a fait super plaisir. Et on se retrouve dans 10 minutes. Juste pour le chèque. Hashtag LiveMCE, s'il vous plaît.